Est-ce que vous êtes prêts à accueillir la mariée? Oh oui, vous êtes prêts à accueillir la mariée? Ah, la mariée, elle est là! Coucou! Bien sûr, ce live est possible grâce au programme IE Creator Network. Grâce à eux, ils m'ont donné un code que je puisse tester le jeu et vous le présenter en avance, puisque la sortie a été repoussée au 23. Tout ce que vous verrez ce soir en gameplay ou en visuel n'est pas forcément sûr d'être dans le jeu à sa sortie, puisqu'ils nous ont bien spécifié qu'il pourrait être modifié. Allez, on va rejoindre le petit couple. Il a faim, mon chaton? Oh bah oui, il n'a plus à manger, bébé. Oh. Il aime pas son frère. Non, mais t'inquiète, c'est Martial qui va faire le ménage, il aime bien. Ah, on les remonte, là. Ouais, il est déjà midi. Et... oh la vache. Bon, on bosse pas, hein, parce qu'on est des pauvres. Oh, mais regardez, il nous reste que 1000 simflouz. Bon, alors aujourd'hui, nous allons nous décider pour le Gatal. Sachant que, ben, on sait pas comment ça fonctionne, parce que hier on a goûté une part, mais il n'y avait pas de on aime bien, on n'aime pas. Je vais peut-être, on va peut-être en regoûter un ou deux, histoire de voir s'il n'y a vraiment pas de différence de goût. Je pense que sinon c'est un peu dommage que si tous les Sims aiment tous les gâteaux, bof. En fait, ça veut dire que le trailer il nous a induit en erreur. C'est encore un autre vendeur. On va commander à manger, tu vas manger. Alors on va tester cœur à deux. Qu'est-ce qu'on... Allez, on va faire cupcake blanc arc-en-ciel. Oh, quelle est belle la vue, dis donc. Ah oui, vas-y, va devant qu'on puisse te mater quand tu cours. Voilà, ça c'est le bon plan. Ah, il court vite, hein. Allez, qu'est-ce qu'on court pour aller bouffer un morceau de gâteau, hein. Tant qu'on arrive, le truc est refermé. Il ferme à 18h, il est déjà 15h. Ah, comme eux-mêmes. Alors, il est beau le petit gâteau? Bah moi j'ai le sourire, hein, j'ai le smile. Hein. Bon alors on a aimé? Oui, on a aimé. Ah! Alors on va prendre 4 étages, plage, sable avec dégradé de bleu. C'est immonde cette description. Alors il est joli le gâteau. On peut pas regarder, on peut pas. En vrai, vu qu'il n'y a pas vraiment de... Bah on aime ou on n'aime pas. Bah je suis un peu déçue quoi. C'est un peu triste. Il n'y a pas les goûts. On va planifier. Nous sommes samedi, on a encore plein de trucs à organiser. Vendredi, ouais, on a le time. Ajouter un événement. Ah, ok. Ok. Ok, ok, ok. Parce qu'on n'a pas encore tout le monde, donc après on fait tout. Non, nous, on n'est pas très compliqué. Donc ouais, on peut tout prendre. Hein. On pouvait tout faire les activités, donc ça c'est bien. Là, il est tout beau, il est tout propre, il est tout mignon. Et l'enterrement de vie de jeune fille et jeune Sims, donc ça va nous prendre 2 jours, parce qu'on va faire un jour Martial, un jour moi, ou inversement. Ça changerait plus tard. On a dit raffiné. Est-ce qu'on peut prendre une deux couleurs? Alors, si je prends violet... Non, c'est une seule. Oui, il y a le dîner de répétition, effectivement, donc ça va nous prendre déjà 3 jours. Ouais, t'as raison. Et ça a pas modifié? Je crois qu'ils avaient dit un truc là-dessus. Oui, le problème, c'est qu'on fait ça où? Lieu de mariage. Sélectionner heure de l'événement. 14h, ça vous... Après, au pire, on peut changer, peut-être, je sais pas. Bon, bah, pour le gâteau, ça ne fonctionne pas! Non, non, non! On va manger des gâteaux! On va encore bouffer un gâteau, ici, ça fait rien, tant pis. Hein. Au pire, est-ce que t'as des skills en cuisine? En cuisine, moi, je suis à 3. T'as aucun skill en cuisine. C'est la femme, c'est la place de la femme. La place de la femme, ça la cuisine. C'est comme ça. Il faut cliquer sur la part et tu peux choisir si c'est le gâteau de mariage. Ah, donc j'ai tout mangé, moi. Sinon, pas, je peux essayer de le faire, peut-être, c'est ça. On va peut-être essayer de faire, de voir. Ah bah oui, bah, il est trop tard, il est 18h30, le magasin de bouquets, il est fermé. Ah, il a pris du bidou, le Martial, hein, à force de manger du gâteau. Hein. Pourquoi t'es aussi haut et moi je suis aussi basse? C'est un peu bizarre. Hein. Regardez-moi ce beau coucher de soleil, quoi. Attendez, j'en ai marre qu'il pleuve dans ce pays, là. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Allez, on va rentrer. Pourquoi tu vas... Mais arrête avec ton... T'es obsédé avec les lavabos. Hein. À un moment donné, je pouvais me poser les questions. C'était pas fétichiste du lavabo. C'est vrai que mes enfants, je les oublie. Que je les laisse à leur vie. Oh là là! Oh, Jamie! Jamie le petit con! Déjà, les griffes, le plan de travail. Ah oui, c'est vrai, Marcel, fais le ménage, là. Ça fait un moment qu'on attend que tu le fasses. Alors, non, bien sûr, non.
l'automne, c'est pas possible. Je sens qu'ici que ça va pleuvoir tout le temps. Triche de saison. Changer la saison. Été. C'est mieux. Vous allez manger. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On est dimanche, il pleut. Et on va réinviter les amis pour pouvoir faire nos témoins, nos trucs là qui... les fleurs et tout le machin quoi. Est-ce qu'on fait prévoir un événement mariage? Oui. Oui, allez vas-y. On va exploiter encore. J'ai envie de voir combien de temps ça dure parce que j'ai pas fait attention mais hier. Pour moi c'est assez court mais comme ça je note... là ça va être ça va commencer à midi quoi en gros. On va inviter la famille, on va... 15 max, hein. Je peux pas inviter tout le monde. Je peux pas inviter tout le monde, c'est pas possible. Porter des toasts, on va danser. Et on va boire. Parce que, comme eux-mêmes. Ah, petite mot soldat. Alors, je voudrais te poser une question. Ma petite mot soldat, est-ce que tu veux bien porter les fleurs au mariage? Oh, yes. Ah, elle est contente. Oh, c'est trop mignon. Oh là là, c'est trop mignon, elle était contente. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Pointe de jalousie, oh là là. Il va falloir que j'aille lui rouler des gros patins, sinon il va pas se sentir bien. Oh, calme-toi. Être jaloux. Oh la vache, t'es violent quand t'es jaloux, toi. Regardez. Je suis jaloux. D'accord. Il a des beaux yeux bleus. Jaloux. Et comment j'ai peur pour ma vie. Je vais me marier avec un homme violent, moi. Il va me frapper. Oh, pauvre petite Shirley. Je ne sais pas si ça te botte, mais je vais penser à Daichi pour être celui qui officierait. On se marierait devant Daichi, ça me paraît vachement drôle. Allez, on va demander à Daichi alors. Demander d'être le maître de cérémonie au mariage. Je sens que s'il me fait un câlin, Martial va me tuer. Oh, il est content aussi! Oh merde, il fait un câlin. Oh, Martial est là. Il le voit. Je crois qu'il va gueuler. Ah ouais! Regarde! Regarde sa peur dans son regard! Pouf, Charlie. Jaloux! Jaloux! Va lui rouler des pelles parce que je crois qu'il... Ça va pas. Il est pas bien là. Il est en plein doute. Il faut que tu... Je pense qu'il faudrait que tu culbutes devant tout le monde. Ça va le rassurer. Va lui rouler de pelles! Plus vite que ça. Mais ça va bien! Mais j'ai rien fait! J'ai parlé à Ricardo! Mais c'est pas possible! Mais hé! Hey, tu vas pas contrôler ma vie, hein, je te le dis tout de suite, moi. Sianana! Est-ce que tu veux bien être ma témoin? Ah merde, je fais un câlin. Non, c'est faut pas faire câlin. Hein. Il va encore. Regardez! Là, il est. Je suis content, je porte un toast. C'est la vie, c'est l'amour, c'est génial. Ma vie est parfaite. Oui, un million de fois. Ah, oui, voilà. Cœur violet. C'est pire qu'il a fauté en premier, maintenant il ose faire des crises de jalousie. Mais c'est ça, Fanny. Et du coup, qui c'est qui va porter les bagues? Allez, vas-y, je vais faire ma. Moi-même. Elle va ramener les bagues. Non. Attention, je vais encore me faire incendier par Martial. Il va encore gueuler. On était dehors cette fois-ci, attention. Parce que là, il danse, hein. Alors, il gueule ou il gueule pas? C'était ma mère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ma mère? Ne dis pas des choses cabreuses, attention à toi. Et ça danse, hein. Par contre, là, au niveau activité, c'est pas deux clampins qui bougent leur bouti, c'est... Ça danse, hein. Bon, a priori, on a tout le monde, là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es encore en train de me gueuler dessus. T'es encore en train de me gueuler dessus. J'ai rien fait. Ça suffit maintenant, t'es où d'ailleurs, je te vois pas. Regardez-le. Regardez-le. Il est pas content. Tu me flingues. Ah, alors ça y est, ça a commencé à midi. Ah, ça va. Bah en fait, ça dure 6 heures. Parce qu'il est 18 heures. J'ai pas vu le temps passer hier au niveau des événements, c'est peut-être pour ça. Regardez-moi ça là, les piques assiettes là. Allez, prenez-vous un peu de foudre, ça vous réveillera un petit peu, va. Oula, ou Camille, elle reste coincée dans la porte, attention. Oula, Daichi aussi.
Aïe aïe, c'était difficile. Hein. La mairie propose des mariages rapides pour les visiteurs qui ne peuvent pas attendre un jour de plus. Parfois, l'amour est impatient, n'est-ce pas? Bah, écoutez, on n'a pas faim, on n'est pas fatigué. C'est beau, le soleil comme ça caché dans les nuages. C'est très joli. Ah! Mais oui, ça, je l'ai pas vu hier. Non, ça fait rien de spécial. Bon, on a... Ah si, on peut y aller. Mais ça fait rien. J'ai vu ça sur Twitter tout à l'heure. Quelqu'un qui a mis cette photo-là et la photo du Faucon Millenium. Il disait en gros que ça faisait la même forme. Et effectivement, ça fait la même forme un peu. Ah, et ce truc-là. Tartosa. Tartosa. 6h30 quand même, les enfants, là. Vous avez vraiment envie de vous lever à cette heure-là? Mais arrêtez, il pleut pas, vous êtes à l'intérieur. Ça suffit maintenant, je vais m'énerver. Hein. Mais ce pyjama, c'est le meilleur, c'est le plus beau du monde. Moi, je veux même pas vous entendre argumenter le contraire. 8h30, qu'est-ce qu'on fait? Il faut avoir une tenue de nuit de noces, j'avoue, parce que là, mon vieux pyjama, quoi. Et tu penses que... Martial, est-ce que tu aimes mon pyjama? J'aime tout chez toi. Oh là là, qu'il est mignon. Alors, je voulais voir. Ça m'a rien validé du tout. Ah si, c'est bon, on a les deux. Ben, ça me l'a pas validé du tout. Ça me l'a... Si, ça y est, là, ok. Responsable des alliances. Ah, c'est peut-être... Attendez, c'est peut-être parce... vu que tu les as fait connaître via moi... Ah, si, c'est bon. Ok, c'est marche. Parce qu'en fait, il faut qu'on les connaisse, quoi. Ok. Ok. Et les invités. 15 invités. Ça fait mal, quand même, 15 invités, hein. On peut pas en faire plus, hein. Ça me stresse un petit peu, parce que je trouve qu'on n'a pas assez d'invités. Alors moi, des fois, quand je fais des trucs de famille, j'en ai 15, c'est pas assez, quoi. Je vais acheter mon bouquet. Ah, je cours, hein. Et je cours. Je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit des mots qui m'entourent. Je vais chercher mon bouquet de mariage, ouais, tu sais. Celui avec qui je vais me marier. Ah! Qu'est-ce qu'il y a bien ici? Bouquet de fleurs du jardin pastel. Bouquet de marguerites colorées. Bouquet de roses arc-en-ciel. Bouquet de roses blanches. Bouquet de roses bleu clair. Bouquet de roses... De roses roses pastel. Bouquet de roses rouges. Bouquet délicat de marguerites colorées. Après, ça commence à devenir plus cher. Hein. Bouquet délicat de roses blanches. Bouquet délicat de roses bleues. Bouquet délicat de rose noire. Bouquet délicat de rose pastel. Bouquet délicat de rose rose. Bouquet délicat de rose rose et orange. Bouquet délicat de rose rouge. C'était lequel qu'on avait vu qu'on trouvait bien? Mais moi, je vois pas celui qu'on a repéré dans le debug. Est-ce qu'il faut qu'on concorde des boutons et les machins? C'est vrai que je peux le faire moi-même, mais j'ai zéro compétence. Peut-être que je vais m'essayer à la confection de mon propre bouquet. Créer une composition. Ah! Bah, c'est ça, effectivement. Nouvelle interaction, créer une composition, bouquet de mariage, j'ai compris. On va s'en faire un ou deux, hein. On va s'entraîner, faut pas qu'il soit trop pourri. Vaudrait mieux que tu achètes avec du mariage, oui, pour ça on va tester un petit peu, mais... Waouh! Allez, tu le vends. Si, Simflouz, je suis trop forte. Créer une composition, Marguerita. On est lundi, demain nous sommes mardi. Nous devons faire les enterrements de vie de jeune Sim, 1 et 2. Le dîner de répétition. Mardi, mercredi, jeudi. Mardi, mercredi, jeudi. Et vendredi, c'est le mariage. Eh ben, ok. Notre programme est tout trouvé, les enfants. Demain, enterrement de vie de jeune Sim. D'accord, je suis contente. Et une armoire. Ok. Visiblement, j'ai vraiment très peu de choses dans la vie pour me contenter de ça, moi. À mon avis, ça doit être le même genre d'événement. C'est-à-dire qu'on choisit ce qu'on fait. Et que voilà, enfin, ça doit pas être très fun à mon avis, c'est un petit peu dommage. Voilà, il faudrait ajouter soit des lieux beaucoup plus cool, soit des activités, je sais pas. Donc, on va commencer par Chulé qui va enterrer sa vie de jeune Sim. Et s'enterrer peut-être tout court même. Tu sais qu'il y a une pièce montée, c'est dans la cuisine gastronomique je crois. Ah bah oui, je sais mais je sais pas si c'est... Mais je peux pas cuisiner gastronomiquement, moi. Oui, t'as la fatigue, hein, Martial. Il est 22h30, donc tu vas te coucher tout de suite. Tranquille. Eh oui, on va payer les factures avant que j'oublie. 551. On va vraiment pas... Et ça part vite, hein.
préparer un mariage, à tous les événements qu'on fait, ça coûte 100 simflouzes. La cérémonie en elle-même, elle coûte... Bah alors, elle va payer les factures, Jean-Guy. Le truc coûte en lui-même 1000, le mariage. Oh, regarde-les, les deux, là. Ouais, ah, ça. Ça. C'est tous les jours. Ils sont trop mignons. Miaou, 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 miaou. Ils font un petit concert. Bon, et ben il va être l'heure de faire ma petite enterrement de vie de jeune Sim. Tu vas choisir une nuisette pour ton enterrement de vie de jeune Sim. Pour la nuit de noces. Mais pas pour l'enterrement. Je vais pas me balader en nuisette. Oh, 60 boules. On est passé de 6 à 60. Allez, enterrement de vie de jeune Sims, c'est parti, c'est pour moi, c'est maintenant, il va être 13h. Prévoir des événements mariage. Hé, les filles, vous venez refaire la teuf, hein.